Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 380 en provenance de Pittsburgh, veuillez bien récupérer vos bagages au carrousel Y15 au premier étage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce vol de la compagnie Air Caravan. RCVN Caravan. Heureusement que j'ai une hôtesse qui est du cru. Si je dis RCVN Caravan, on va croire qu'on a des caravanes accrochées. Non, non. RCVN, c'est beaucoup plus simple, tu as raison. Mesdames et messieurs, ce vol va durer environ 3 heures. Et va nous amener à notre destination 2023. Je vous présente, sous vos applaudissements, mon second, Lionel Pillot. Et les hôtesses Béa et Sylvie. Pendant la durée du vol, les collations seront servies par le meilleur traiteur qu'on ait rencontré depuis qu'on fait le tour du monde avec RCVN, c'est-à-dire Baldi Traiteur. Les consignes de sécurité vont vous être rappelées par l'hôtesse Béa et l'hôtesse Sylvie. À la tour de contrôle, nous avons le meilleur aiguilleur du ciel qui existe, Jean-Pierre Boucher. Aidé par un gars bien de chez nous, Zouzou, aux éclairages, bien connu dans le milieu pour sa chanson fétiche, Zouzou, un peu d'aïoli. Mesdames et messieurs, nous avons la chance de passer sur un film qui va être fait de main de maître par un monsieur qui n'est autre que le sosie selon les jours. Soit de C. Jérôme, de Deb ou de Gérard Depardieu. Jean-Jacques Serre, bon gâté. Je vous dirai comment vous procurer les vidéos, les images, les photos qu'il tirera sur son site. Je vous dirai tout ça dans la soirée. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans le public, en plus du sosie officiel de ces trois artistes, et là je vais devenir plus sérieux. Nous avons la chance d'avoir le sosie de Sean Connery. Vous avez la main, monsieur. Ils font beaucoup de tournées avec les sosies, bien sûr, les sosies du soleil et un tas d'autres, mais surtout un gars que j'ai plaisir à rencontrer. Il se fait trop rare
dans le coin parce qu'il y a une tournée. Là, il arrive de, tu m'as dit de... Sarlat, pardon, Sarlat, il me l'a dit tout à l'heure. Il fait une tournée mondiale, c'est le sosie de Robin Williams. Son rôle fétiche, Madame Dufay. C'est lui. Ceux qui ont vu des soirées ici même savent qui est ce monsieur. Les autographes à la fin du spectacle. Hein. Mesdames et messieurs, un petit renseignement que je dois vous donner pour les toilettes. Nous faisons partie de la franchise Air Insolite. AI. C'est le seul avion où pour les toilettes, nous donnerons des parachutes, car les toilettes sont à l'extérieur de l'avion. Vous serez relié à l'avion par un câble, tout sécurisé, mais vous irez faire vos besoins par parachute à l'extérieur de l'avion. Là, c'est tout un sport, ceux qui peuvent se retenir, il y en a qui ont essayé, comme disait l'autre. Hein. Mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant avec les hôtesses qui vont vous expliquer les dernières consignes. Je vous rappelle que notre destination, c'est la plage 2023. Il fait soleil, ça s'annonce bien. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce vol. Vous voyagez en compagnie de Air Seven 2022 à destination de 2023 pour une durée de 3 heures. Nono et son équipier Zouzou à la tour de contrôle nous accompagneront jusqu'à l'atterrissage. Tout d'abord, les issues de secours signalées par un panneau vert sont situés à l'arrière droit et gauche de l'appareil. Les toilettes sont situées à l'extérieur, tout au bout du parking. Pour tout départ intempestif, veuillez vous adresser à un membre de l'équipage. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Une collation vous sera servie tout au long de ce vol par Baldi Traiteur et toute son équipe, et tout cela en chanson. Merci. Oui. Mesdames et messieurs, j'ai le cœur à rire, évidemment, puisque nous allons attaquer une nouvelle année. Ce sera fête de bonheur, je suis sûr. Mais surtout, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. J'ouvre les volets de ma petite villa. Je vois ma voisine, Paulette, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est déjà venue une paire de fois ici. Je la vois en train de pleurer. J'ai fait, Paulette, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est mon mari, Bernard. Il est monté au ciel, c'est de ma faute. Si tu as fait une bêtise. Elle me dit, non. Oui, j'ai fait une bêtise, mais... Je voulais pas, mais je voulais faire un pot-au-feu. Ça vous fait rire, ça, pot-au-feu? Public facile, hein? Je voulais faire un pot-au-feu, j'ai dit à mon mari, à mon chéri, j'ai va me chercher 4 poireaux dans le jardin. Il est parti, il n'avait pas plu depuis 15 jours. Il a tiré sur le premier, il est venu, le second, il est venu, le troisième, il est venu, le quatrième, il n'est pas venu, le cœur a lâché. Il a fini la tête avec les poireaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, le soupe de poisson. Bon, c'est bon, ça s'annonce bien. Mesdames et messieurs, ce spectacle, ce vol va se dérouler en chanson, en petite bêtise, et surtout, un très bon repas, je vous le garantis. Si vous avez envie d'applaudir, n'hésitez pas. Les applaudissements sont la nourriture des artistes, je le dis chaque fois. Et aujourd'hui, double ration parce que nous avons le même repas que vous. Mais sont exemptées les personnes comme celle qu'on a vue hier soir, par exemple, qui n'applaudissaient jamais. Pourquoi? Parce qu'elle avait un bras plus court que l'autre. Et quand elle applaudissait, cette personne que j'ai arrêtée, c'est la seule dispense. Ça va, Zouzou?
musique. On y va. La maison est un peu grande, surtout la chambre. Il ne reste rien de toi que ton parfum. Je retrouve en ton absence un petit immense, en voyant sourire les roses du jardin. Je vis près du téléphone, et quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'attendais. Tu souris et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Attention. Mon cœur te dit, je t'aime. Il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit, je t'aime. Il est perdu sans toi. Mon cœur te dit, je t'aime. À chaque fois qu'il va, attention. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que tous les soirs tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête. Dans ma défaite, je te cherche et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur les photos, tu me souris. Avec moi. Mon cœur te dit, je t'aime. Il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Allez. Mon cœur te dit, je t'aime. Il est perdu sans toi. Mon cœur te dit, je t'aime. À chaque fois qu'il va. La la la, tout le monde. La 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 la. C'est bien parti. La 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 la. L'envers est tout. Ça va être trop bon. La 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 la. Mon cœur te dit, il est perdu sans toi. Mon cœur te dit, à chaque fois qu'il va. Merci beaucoup. Oh. Merci. Et toute la soirée, les artistes qui m'accompagnent vont vous régaler. Allez, au prochain, donc, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. À ton ombre, de tenir à leurs idées, c'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier tic. Toi, t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de type, ni de gens ces mères. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qui te faut susurrer pour te faire entendre, sans trop te faire remarquer. Toi, t'auras ton style, comme Kylian Mbappé, et tu seras libre, si t'es pas fatigué. Tu
verra pas de tigre, ni de gens ces mers. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé. Et quoi qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué. On est pas fatigué. Et vous, est-ce que vous êtes fatigué? Oh ben c'est super, on va continuer. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Merci beaucoup. Cherchez l'étoile, vous qui vivez ce rêve, vous et vous de l'espace, oh que plus grand que la terre. Vous allez peut-être trouver une nouvelle musique. Je reviens, ne partez pas sans moi.
On a fait des anniversaires, de mariages, de baptêmes, de prières. Ma vie est une page blanche qu'on a remplie depuis l'enfance. Qui aurait pu imaginer qu'on se ressemble? Combien de fois on s'est roulé par terre, à vous maintenant d'un foutu caractère. Une poignée d'années plus tard, on est les mêmes dans le miroir. Il y a tant d'amitiés, tant de promesses qui s'égarent. Si tu tombes, je te tiendrai la main. Nous serons aujourd'hui ou demain. Sache qu'avec toi je ne crains rien. Tout perdu des êtres chers, laissé des plumes, traversé des déserts. On a croisé tant de trésors, mais le plus précieux, le plus fort, c'est de les aimer, les protéger, être heureux. Si tu tombes, je te tiendrai la main. Une seconde, aujourd'hui ou demain. Si tu tombes, si tu tombes, je te tiendrai la main. Si tu tombes, une seconde, aujourd'hui ou demain, sache qu'avec toi je ne crains. Sache avec toi je ne crains. Avec toi je ne crains rien. Merci. Merci. Lionel. Merci. À cette période de Coupe du Monde qui vient de se terminer, je ne sais même plus qui c'est qui a gagné. Les animaux ont un langage à eux qu'on ne connaît pas. Et un jour, dans une clairière pas très loin d'ici, les petits animaux et les gros animaux cherchent à faire un match de foot entre eux. Ils trouvent un joli pré et il y a l'arbitre qui dit: nous allons faire le match ici. Engagement fait par les gros animaux. L'éléphant prend la balle. Centre au lion, le crocodile, le chameau, la tortue géante, pute. À la mi-temps, les gros animaux gagnent 10 à 0. L'entraîneur des petits animaux, un italien, la mouche, petit, il dit: profitez de votre taille pour vous infiltrer, vous êtes petit. Vous perdez 10 à 0, profitez de votre taille pour vous infiltrer. Les petits animaux engagent la seconde mi-temps. La luciole, qui brille toujours sur son aile, centre au ver de terre. Le ver de terre, le scarabée l'abeille, l'abeille la cigale le mille-pattes, but. À la fin du match, les petits animaux gagnent 11 à 10. L'entraîneur des petits animaux, il est fou de joie. Il va à la luciole, il va, qui a été extraordinaire. Il va au scarabée, extraordinaire. Il voit le mille-pattes, il dit: le mille-pattes, viens voir. En seconde mi-temps, tu as marqué tous les buts, le mille-pattes. Je te félicite, mais en première mi-temps, où étais-tu? Et le mille-pattes, il répond: je lassais mes godasses. À la fin du match, ils sont reçus au siège du football club.
ils sont reçus, les petits animaux. On a gagné un apéritif géant. À la fin de l'apéro, qui c'est qui arrive essoufflé? Le mille-pattes. L'entraîneur, il dit, on t'a vu en seconde mi-temps, pas en première, on t'arrive à la fin de l'apéro, qu'est-ce qu'il y a encore? Et le mille-pattes, il fait, quel con qui a marqué sur la porte, essuyez vos pieds avant d'entrer. J'étais l'autre jour avec mon ami Alain Robin, qui est venu me voir à Vauvert. Et j'ai fait visiter ma jolie petite capitale de Camargue. J'aime Vauvert, hein. Et il me dit, il est joli ton village. On visite le village et puis on passe devant le bar. J'ai dit, on va boire un coup. Et en se garant devant le bar, j'entends un drôle de bruit dans les toilettes publiques, vous savez. Un gars qui criait dans les toilettes publiques. Et Alain, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas. Je vais voir, il y avait un gars qui faisait, au secours, venez m'aider, pitié, pitié, dans les toilettes. Je m'approche de la porte, je ne rentre pas dans les toilettes, on ne rentre pas. Hein. Je m'approche des toilettes, je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, aidez-moi, pitié, aidez-moi, s'il vous plaît. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, je suis au bout du rouleau. Sur ce, j'amène mon ami Alain boire un coup au bar. Il y a un joli bar à Vauvert où on boit bien. Et le barman, quand il me voit, il me fait, oh, Alain, avec qui tu es? Il dit, je suis avec Alain. Deux Alain pour le prix d'un, ça me fait plaisir, il me dit. Qu'est-ce que vous buvez? J'ai Alain, qu'est-ce que tu bois? Il me dit une bière. Il dit, mais moi aussi une bière. Le barman, il se retourne, il me fait dépression. Je dis, non, non, alcoolisme. Le sel. Mesdames et messieurs, dans le monde de la corrida, dans le monde de la corrida, on est pour, on est contre, on n'est pas là pour parler de ça. Dans le monde de la corrida, qui à ce propos, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais... L'autre jour, je suis allé dans un bar à Lunel. Lunel, une petite ville qui est dans l'Hérault. Il y avait une tête de taureau contre le mur, derrière le comptoir. Et j'ai regardé cette tête de taureau et les larmes me sont venues. Et le barman, il me dit, vous intéressez à la tauromachie espagnole? Je dis, moi, j'aime tout. Mais c'est... Il n'y a rien que d'en parler. C'est ce taureau. C'est ce taureau qui a tué mon grand-père. Il me dit, mais des taureaux comme ça, il y en a partout. Je dis, non, c'est celui-là qui a tué mon grand-père. Il me dit, il était toréador? J'ai fait, non, non, pas du tout. Il jouait à la belote, là. La tête s'est décrochée. Dans le monde de la corrida, il y a un moment où, quand le toréador fait un geste, le public, qu'on aime ou qu'on aime pas, on n'est pas là pour ça. Hein. Le public crie très fort. Vous allez le faire, je suis sûr. Encore chaud. Je vais recommencer où j'ai mal fait le geste. Mais attendez, donnez-moi votre gilet, monsieur, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui vous êtes. Certainement inconnu dans le coin. Je vous présente monsieur Jacques Pigère, fondateur de la maison. Quand le toréador fait ce geste-là, le public crie très fort. Crie très fort! Le taureau n'a pas démarré. Là, il arrive. Là, il arrive. Alors, dis-le, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Il n'y a pas les poils. Ça, c'est le danger. Quand le public crie très fort, le taureau, il se sent un peu transporté. Le taureau, c'est une locomotive de 500 kg. Hein. Paf. Le taureau, on fait le pas de trop. Et ce qui devait arriver... Avec sa corne droite, le taureau emporte le service trois pièces. La dame a compris. Oui, madame, la bibite, oui, mais on le sait, elle a compris. Alors, elle dit à son mari, il parle de la bibite. Non, on a compris, madame. Et une fois que c'est parti, ça. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, I never try. Et les toréadors, ils aiment avoir le paquet. Je ne sais pas si vous avez vu les toréadors. Moi, j'ai des pantalons sur mesure, on ne voit rien, quoi. Mais, non, c'est vrai. Les toréadors, ils aiment avoir le paquet. Je ne sais pas s'ils mettent des sacs de farine ou des choses. Des boules pétantes, tout ça. Vous regarderez. Et donc, il vient me voir, il me dit, toi qui te débrouilles, là, dans le métier, comment je peux faire? J'ai un chirurgien plasticien qui fait des trucs en plastique, nickel. Un tuyau en plastique, deux boules en plastique,
Il y va 20 000 euros. Il revient vers moi, il me dit « No tengo dinero, j'ai pas de sous. » Et moi, j'y monte à l'adresse menuisier à Vauvert. Deux boules en bois, un tuyau en bois, la longueur que tu veux, 20 euros. Corrida à Arles, le dimanche d'après. Il y avait un tchouch, mon collègue, avec sa prothèse. Un cordobès et chamaco. Ils étaient là, ta 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 ta, avant que ça démarre, ils ont le stress parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ils ont tous peur des taureaux. Hein. C'est pas des fous. Hein. Il y avait la prothèse en bois. Elle ne tenait pas, mais le stress, la sueur et tout, elle glissait le long de la jambe. C'est accroché nulle part, vous comprenez? Vous avez compris, oui. Je ne sais pas s'il a compris. S'il a compris. Et un cordobès, il regarde, il lui fait Morpiones. L'autre, il fait non, Termitas. Le chantier, le chanson, et puis nous pourrons nous mettre à table pour le premier plat. Je vous en dirai un peu plus en attendant. La seule chanson que je ne chante pas dans ma langue d'acclimatation française, mais dans la langue originale de mon papé qui habitait à Murcia. Peut-être que James Bond l'a rencontré dans 007 à Librilla. Musique. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para mí. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar. Granada, quiere ensangrentar en tardes de toro. Mujer que conserva el ambrojo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana. Me habla de amor. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le llenen marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena, hey, de lindas mujeres de sangre y de sol. ¡Olé! Mesdames et messieurs, nous allons maintenant pouvoir nous mettre à table pour le premier plat. Bon appétit à tous, merci. Et voici le décollage.